J'appelle à mes côtés celui qui devrait parler au nom des étudiants, Monsieur Farah. Messieurs, dames, remerciements. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le ministre, Monsieur le vice-président, Messieurs les directeurs, chers professeurs, chers membres de l'administration, les sixièmes, honorables assistants, bonsoir. Honneur, fierté et responsabilité. Tels sont les sentiments que j'ai ressentis lorsque Mme Dupin m'a appelé pour m'informer que je vais représenter la 24e promotion des lauréats des CIC Casablanca. Une date, le mercredi 4 juin 2014. Le lieu, un amphithéâtre qui porte le nom d'une grande personnalité marocaine, Medil Mejra. Nous nous souviendrons longtemps de ces deux informations. La date qui conclut brillamment un grand chapitre de notre vie étudiantine, dont j'ai l'immense joie de l'avoir vécu avec vous, chers amis. Le lieu qui nous a rassemblés est celui de notre première rencontre. Mais c'est aussi le jour qui nous ouvre grand les portes de l'avenir, que j'espère être joyeux pour chacun d'entre vous. Je me souviens parfaitement de notre première journée au sein de cette école. Des halls et des couloirs remplis de bacheliers avec les yeux pleins d'espoir, pleins d'ambition. Curieux d'apprendre de nouvelles connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences qui vont nous permettre la meilleure insertion sociale dans le monde du travail. Les moments de joie ont été partagés entre nous et les difficultés ont été surmontées tout au long de ces 5 ans grâce à notre solidarité. J'avoue aujourd'hui devant vous que cette promotion souffre d'un sérieux problème. Ceci est tout simplement une promotion géniale. Une promotion qui a la particularité du dynamisme, de l'esprit d'équipe, de l'intelligence collective, de l'art de la discussion et la négociation. Des négociations qui frôlaient parfois l'intensité, mais qui émanaient toujours de notre souci d'avoir le meilleur, pour être les meilleurs. En cette joyeuse occasion, je voudrais exprimer notre grande admiration et gratitude à l'ensemble du corps professoral qui nous a accompagnés tout au long de notre cursus universitaire. Chers professeurs, vous étiez la boussole qui nous a guidés tout au long de cet inoubliable voyage. Je ne trouve pas mieux que ce qu'a dit Amir Shahara Ahmed Chaudhry. Comme les mu'allim yufi tabjid. كاد المعلم أن يكون رسولا علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا Encore une fois, mille merci à vous, chers professeurs. Nos remerciements et notre gratitude vont aussi à nos familles, à nos amis et surtout nos parents. Sans votre soutien, rien n'aurait été possible. Avant de terminer mon discours, je souhaite m'adresser à nos mamans. Le moment est déjà là. Vous pouvez nous dire comme si vous avez des gens qui sont comme nous, des frères et des frères comme nous. Mon âme, nous ne nous sommes pas dit que nous sommes là. Tout le monde est dit que nous sommes là. 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 وكنتمنى اننا نقدروا نرجعوا لكم ولو غير جزء بسيط من داك اللي عطيتو لي. Chère 24e promotion, le moment est venu avec un peu de tristesse de se dire au revoir, en se souhaitant un avenir joyeux pour chacun d'entre vous. Espérons que notre amitié restera intacte et que notre collaboration perdure. Mes sincères salutations à vous tous. Et à vous tous, et toutes mes félicitations à mes amis pour le diplôme. Je vous souhaite une heureuse vie.
Il est temps pour transmettre le flambeau à la 25e promotion. Une promotion qui est à quelques pas de la ligne d'arrivée. Chacun d'eux est en train de passer son stage de fin d'études, de préparer son mémoire. À tous, je souhaite dire bon courage au Maïs. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, chers professeurs, chers membres de l'administration, essigiennes et essigiens, honorables assistants. Aujourd'hui, nous ne sommes pas que des lauréats de Messie. Nous sommes les ambassadeurs de cette grande école. Merci pour votre présence. Merci de votre écoute. Je vous demande tous d'applaudir la 24e promotion des lauréats de Messie Casablanca.